passant par Cité de Roche, j'ai perdu dans le Puerto Azul, les gars. 3 épisodes de Dressosa. Vous avez kiffé les 4 derniers épisodes où c'était arrêté. Au putain de flashback, bien dodu. Et on commence à voir que Doflamingo, le gars, c'est un peu le géomètre de Bamako, les mecs. Il tire un peu les ficelles et les magouilles à droite à gauche. Au moment où je vous parle, je crois que... Bah non, en fait non, j'ai juste pas d'idée. Je sais pas ce que j'allais annoncer, mais en fait il y a juste rien du tout les gars. En tout cas, merci pour toutes les émotions et toutes vos réactions sur mes réactions One Piece. Hein, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette aventure. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Bon, en fait, je pense que j'aurais pas dû poser la question. Parce qu'à mon avis, vous allez tous me dire « On en veut plus! On en veut plus !» Mais vous en faites pas, il y a un moment où vous en aurez un peu plus. Beaucoup plus. Voilà, c'est tout. Allons-y les gars, 3 épisodes bien dodus. Et on se rapproche petit à petit de l'épisode 666. Go, go! On dirait un peu le massacre des Uchiwa, mais version version grandeur nature. C'est insensé, notre bon roi serait-il devenu fou? La terreur a gagné tout le royaume. Il n'avait pas l'air dans son assiette quand il a quitté le palais. Mais le pauvre, il s'est tellement manipulé. Je viendrai à de telles extrémités. Seuls pourront jamais gérer cette affaire. Ah mais c'est la daronne de l'autre, non? La marine est dépêchée en renfort. Le capitaine Vergo va prendre les choses en main. La daronne de notre royaume. De la petite. Attends mais les gars, on va peut-être croiser ce le petit soldat là. Donc c'était la fille du roi. Après, là, elle n'était pas enceinte. Oula. Aokiji? Ah, dès que je vois de la neige, pour moi, c'est soit le Père Noël, soit Aokiji. Il neige? C'est bizarre. Oula. Ah mais non, mais c'est Monet, les flocons. Monet, je ne comprends pas, que fais-tu en ces lieux? De quel droit une servante ouvre-t-elle les portes du palais? Ah ouais, elle était déjà infiltrée en fait. Votre Altesse Viola, si vous utilisiez vos dons de double vue, vous ne vous poseriez pas autant de questions, vous sauriez précisément... Attends, c'est... vos dons de double vue? Viola s'appelle... Qui est en train de se passer? Mais c'est pas la daronne de Violette plutôt? Je vais vous répondre, je m'apprête à accueillir la nouvelle dynastie de ce royaume. Attendez, là, je... Ah ouais, vraiment, ils sont arrivés comme des rebelles. Oh, bah, il s'est perdu, lui, ou quoi? Wesh, on dirait... On dirait la petite dans Bleach, au Weko Mundo. C'est impossible. Vous allez venir avec nous, princesse Viola. Ouais, mais je pense que... Il y a le feu dans la tourresse. Des pirates sont entrés dans le palais. Moi, je pense que c'est la daronne de Violette, hein. J'adore la déco. Ouais, c'est beau, t'as vu? Ça, c'est un palais digne de ce nom pour le jeune maître. Je vois qu'elles ont les mêmes yeux. Vous êtes de la bande de Doflamingo? Lâchez son Altesse tout de suite! Qu'est-ce que vous avez fait à notre roi? Il est bizarre, le petit blond hein, qui court. Les enfants, on a du pain sur la planche. On va nettoyer le palais de fond en comble. Oh, la boucherie. Il leur prend un sauveur. Elle est magnifique, la DA, là. Avec le pauvre, il peut même pas... Qu'est-ce qu'on a fait? Non, arrête! Pour l'amour du ciel! Ah oui, il a massacré son peuple. Tout ça à cause de Doflop. Il y en a eu des morts, hein. Alors que tout le monde le kiffait, quoi. Ah, mais justement, le retour à la réalité, il va faire bizarre, les gars. Hein, vu que là, maintenant, c'est devenu un gladiateur. Il a vraiment pas eu de luck. C'est même pas une histoire de chance, je préfère mille fois à la mort que d'infliger tant de souffrances à mon peuple. Il a fait tellement de kills. Mes forces, tuez-moi, tuez-moi qu'on en finisse. Ah, le pauvre gars. Pourquoi, votre majesté? Quel crime avons-nous donc commis? Il est incroyable ce flashback, les gars. Vous qui êtes un roi si bon et si juste, qui étions si fiers d'être vos fidèles sujets. Ils sont tous déçus, bah oui, c'est sûr. Vous nous avez demandé de l'argent, et sans hésiter, vous avons donné tout ce que nous avions. En fait, le timing, il est tellement bien choisi de la part de Doflop, que même les gardes, ils se retournent nous contre l'avons les fait mecs. Parce que sa majesté a toujours été si bonne avec nous. C'est un génie, Doflop, hein. Mais alors, ça me rappelle un... Ça me rappelle un massacre qu'il y avait eu dans l'époque romaine, mais bon. Il y avait eu des prises de pouvoir un peu comme ça, là. Moi, ça me rappelle un peu ça. Même au niveau de leur tenue et tout. Ah ouais, non, c'est une boucherie, hein.
Ils sont tous fait tuer. Soyez maudits, espèce de monstre. Vous avez trahi notre confiance à jamais. Vous nous avez tout pris. Notre argent est maintenant nos vies. Tu n'es qu'un horrible charognard. Ah, c'est un chemin sans retour. Du bétail. Va en enfer, Warikou. Reste-y à jamais. Aïe, 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 même les gosses. Pour moi, tu n'es qu'un rebut du genre humain. À la haine. Bah, en vrai, c'était impossible de savoir les gars qui se faisaient contrôler. Hein. Ils n'avaient pas connaissance de nos flops. Pendant des années, ils ont vécu en harmonie. Allez, bon, les mecs étaient un peu coupés du monde. Oh, au secours. Oula. Un sauvetage. Ah bah oui, bah ils rentrent en scène en fait. Pour les acteurs. Ouais, c'est ça, ils font les acteurs, les gars. Oh, ils font peur, hein. Va, les gars. Ah ouais, non. Non, la mise en scène est incroyable avec les lumières et tout. Hein. On sait que c'est des démons, en fait, de notre point de vue. Ah, il est trop fort. Je suis venu sauver ce royaume à la dérive. Mon nom est Don Quichotte do Flamingo. C'est des pirates. Hein? Des pirates. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous envoie des pirates? Il est stock. Après tout... S'ils peuvent nous débarrasser de l'armée royale. En fait, ils contrôlent les deux sides, quoi. C'est un génie, frère. Et là, il fait tomber le roi. Le roi Riku arrive. Il peut pas crier, Riku, non. Et c'est là que le valeureux héros intervient. On vient de tête de théâtre, les gars, en fait. Et pas tant à votre petite danse, majesté. Le pauvre. Non, les pauvres villageois, ils doivent être dans l'incompréhension totale. Diamanté, à vous de jouer. Débarrasser le royaume de ses déchets. Le pauvre. Merci, mon Dieu. Vous nous avez entendu. Notre sauveur est là. Notre sauveur est là. Ouais, généralement, je suis pas d'accord avec les PNJ. Mais là, je suis totalement d'accord, les gars. Dans le sens où c'est... En fait, le plan est tellement bien ficelé, sans mauvais jeu de mots, que c'est impossible de savoir ce qui se cachait derrière, en fait. C'est impossible. Il a tellement bien utilisé son fuit, les gars. Il est arrivé dans un timing. Il a c'est trouvé une fenêtre de fou, en fait. Cette dynastie devait s'éteindre dans la violence. Incroyable. Franchement, je continue à dire et à garder ce point de vue, mais les flashbacks de One Piece, c'est vraiment... Ils sont vraiment excellents à chaque fois. Hein. C'est vraiment du plaisir. Enfin, dans la douleur, souvent. Hein, c'est... Mais dès qu'il y a un flashback, je sais qu'il va être bien. Quoi. Maudite-toi ta famille, Rebecca. Alors, on n'a pas eu d'infos sur petit soldat, par contre. On va venir s'occuper de toi. Tu vas finir en rondelle. Pourriture. Bon, eux, ils continuent à spam. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il soit... Et c'est ainsi que le royaume en une nuit tomba entre les mains de Doflamingo. Il n'y a pas plus triste comme histoire. C'est un vrai cauchemar. Quelle cruauté. Il va pas s'en tirer à bon compte, celui-là. Après, si Sol a toutes les infos... Persuadé que le roi Riku avait perdu la raison, nous avons pris contact avec Doflamingo. Et malheureusement, nous en avons fait les frais. Honte à nous de ne pas avoir cru en notre bon roi. En effet... Il n'y a pas de justice. Ce roi à qui tout le monde vouait une admiration sans borne est mort comme un chien pour un crime qu'il n'avait pas commis. Erreur. Le roi Riku est toujours vivant. Hein? Il se trouve que sa fille, la princesse Viola, détenait un pouvoir qui intéressait Doflamingo. Elle conclut donc un marché avec lui. Donc c'est le truc des yeux, les gars. Je pense que c'est vraiment la daronne de Violette, hein. Écoutez-moi, si vous promettez de laisser la vie sauve à mon père, je vous fais le serment de vous obéir. Elle aussi est en vie. Ah, Viola, c'est Violette, en fait. Et elle continue de servir ce tyran. Elle compte parmi ses fidèles lieutenants. Et bah a ouais. Changé son nom en Violette. Putain, mais je suis con, en fait. Quoi? Mais par contre, elle a eu un globe de zinzin. Lieutenant? Alors c'est grâce à elle si le roi est toujours de ce monde. Tout à fait. Il est dans ce pays, terré quelque part. Aucun doute. Globe de zinzin, les gars. Je ne peux imaginer son tourment. Ah ouais. Il en va de même pour Viola. La colère, les larmes, ces 10 dernières années ont dû être un enfer. C'est pour ça qu'elle a aidé Sanji, hein. Ah, Violette, Viola, pardon. Sans oublier les autres victimes de cette nuit sanglante, les soldats de l'armée royale furent eux aussi manipulés comme de vulgaires pantins, et ils ont souffert un martyr sans nom. Je vous suis pas, là. Les soldats n'ont pas tous été tués ce fameux soir? Certains ont vu leur souffrance abrégée, en effet, mais d'autres ont choisi de prêter serment au nouveau roi et ont été intégrés à sa garde personnelle. Aïe, 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 aïe. Ils ont retourné leur veste, les ordures. À vrai dire, je doute que la plupart d'entre eux l'aient fait de gaieté de cœur. Qu'ils crèvent tous. Ils ne faisaient qu'obéir à ce vieux fou de Riku. Ce sont mes hommes, désormais. Ça doit être horrible pour eux. Bonnes gens. J'y crois pas. Cet homme n'a donc aucune limite. Oh non, c'est trop triste. Tranquille, arrête. Mes pauvres
pauvre petit gars, on a l'habitude. Je vous plains. Entre les soldats qui ont péri et ceux qui ont choisi de servir le nouveau roi, et sachant le nombre total d'effectifs de l'armée royale, le compte n'y est pas. Hein? Je comprends pas de quoi tu parles. Ça ne colle. Ah, parce qu'après, il y a tous ceux qui ont été transformés en jouets, les gars. Pas, ma mémoire me joue des tours, j'en ai bien peur. Mes souvenirs s'altèrent. Quoi? Ça veut dire que tu te souviens plus de tout? Tu vois, Frankie Land, comme tu as pu le constater en ville tout à l'heure, une fois transformés en jouets, les souvenirs du temps où nous étions humains restent intacts. Mais pour ceux qui nous sont chers, c'est différent. Ils en viennent tôt ou tard à oublier notre propre existence. C'est horrible! Nous sommes, pour ainsi dire, effacés de leur vie. C'est le cas pour moi comme pour tous mes camarades jouets. C'est horrible. C'est sans doute cela la plus grande tragédie de Dressrosa. En somme, parmi tous les jouets qui arpentent les rues de Dressrosa, il y a sûrement d'anciens compagnons à toi, mais tu serais incapable de les reconnaître parce que tu les as oubliés, c'est bien ça? Oui, exactement. Ils n'en font pas état, mais je suis convaincu que, comme moi, ils en veulent la mort à Doflamingo. Me transformer en jouet est la pire chose qu'on m'ait fait subir. Et toi là, t'approches pas de ma femme! Oh bon sang, si seulement j'avais le droit de parler! Saleté de Doflamingo! En fait, ils sont en prison! Dire! Si quelqu'un pouvait nous débarrasser de lui! C'est le sort de tous ceux qui osent s'opposer à lui. Ils sont réduits au silence, mais ils sont tous là, attendant patiemment que sonne l'heure de la vengeance. Nous sommes tous animés de la même colère. Qui, je veux le croire, sera la clé de la réussite de notre plan? Ah ouais, je vois le tableau. Vous voulez organiser un bon gros soulèvement, quoi. Grosse rébellion. Ça peut paraître complètement fou de s'en prendre à un corsaire de sa trempe. En vrai, tu prends les nains, les jouets et les moogies et c'est bon, hein. Mais si tous les jouets du royaume se dressent comme un seul homme contre l'oppresseur, c'est une autre histoire. Théo, t'es gentil, tu t'emballes pas. Commence pas à parler de renverser qui que ce soit, on n'est pas là pour ça. Ah, Usopp, fais pas ton Usopp. Hein. La fabrique, c'est clair, dans ta petite tête, on la détruit et on se taille l'ico presto. Pas vrai? Dis-lui, Robin. Doflamingo doit payer. Voilà. Mes amis, le jour du soulèvement est enfin arrivé. Il fume gonne. La provocation de ce matin était celle de trop. Sachez que la venue d'Ousolante et de ses compagnons n'était pas due au hasard. C'est le ciel qui nous les envoie pour combattre. Il s'est passé quoi ce matin? Il parle de la soi-disant abdication de Doflamingo. Ah oui, ça en fait c'est à cause de... comment imagine dire... un instant la liesse que cette nouvelle a provoquée chez nous. Nous avons cru au miracle. Et puis quand c'est le démenti est tombé, cela a été la douche froide. C'est comme si nous avions basculé du paradis aux enfers. Après une telle déception, nous avons décidé de prendre les armes. Vous en feriez autant, n'est-ce pas? Vous serez massacré, hein. Oh non, on n'a pas l'air fin maintenant. Ah là là, bon vieux roi Riku, y'a que des papis là-dedans. Toi qui es à la retraite depuis tant d'années, tu es venu jusqu'ici? Que veux-tu? L'armada aux 1000 trésors n'a plus d'héritier. Seulement j'avais pu avoir des petits-enfants. Oui, je comprends. Les temps sont durs pour les forbans comme nous. C'est étrange. J'ai comme l'impression d'oublier de plus en plus de choses. Oh, ça me reprend comme il y a 10 ans. Oula. Mais je vais où comme ça? Bizarre. Grand-père, sauve-moi! Osez se moquer de moi. Non, mais en plus, attends, bah oui, mais non, mais en fait, là, on voit l'effet direct, quoi. Le grand-père qui dit carrément avec sa face, je suis désolé, j'ai un peu de ping, les gars. Mais le grand-père qui dit directement avec sa face, ouais, mais si seulement j'avais des petits-fils. Abdoul. En fait, il les a oubliés instantanément parce qu'ils se transforment en jouets, en fait, c'est instantané, genre. Et moi, Jet, le guerrier inégalé, c'est la honte! C'est ça le plus horrible dans ce pouvoir. C'est que les jouets se souviennent et que les hommes oublient. Il a vraiment pas assuré, tronche de coq. Il s'est roulé par terre en chialant au lieu de m'aider. J'espère que Zoro est dans le coin. Ah bon, voilà. Ça fait plaisir les retrouvailles. Bah franchement les mecs, Flashback était excellent. Hein. Il y avait une belle dramaturgie. Ouais, bah, c'était éprouvant quoi. C'était éprouvant, c'était pas dur à regarder parce que bon, au bout d'un moment dans One Piece, on commence à avoir un peu l'habitude voilà des petits dramas, mais c'était bien réalisé en fait. La prise de pouvoir de Doflamingo à Dressrosa, elle est vraiment. Enfin, mais chut! Arrête de beugler comme ça, crétin! Tu vas nous faire repérer! Chut! À la fin! Ouais, désolé, mais je suis tellement content de vous revoir! J'avoue qu'au départ, nous étions fort inquiets! Mais finalement, ce Kidam au langage singulier a réussi à vous conduire jusqu'à nous! Quel soulagement! D'ailleurs, où il est? Quel soulagement! Je sais pas! La dernière fois que je l'ai vu, il s'est évanoui! Ah ouais? C'est qui ce zouave?
Aucune idée. Enfin, je te retrouve. Oh, mes amis. Chapeau de paille. Joker, ah, mais... attend de moi que j'élimine le chapeau de paille. Qui devra lui régler son compte avant la fin du tournoi. C'est tellement la chaîne alimentaire, la société de Doflop, en fait. Si tu réussis, il sera disposé à faire de toi un de ses lieutenants. Alors que Luffy, il était super gentil avec lui. Il est pas obligé, désolé, vraiment. Désolé pour toi, chapeau de paille. Ça se va, il... Je ferai tout pour le détruire, hein. Avec Doflamingo. Eh oh, Bellamy, ne baisse pas les bras, t'entends? Ah oui, c'est un bon. Je t'en veux plus, tout ça c'est du passé. Et plus jamais je me moquerai de toi. Aïe aïe aïe, après il n'y a qu'une parole, hein. J'aime bien Bellamy dans Star. Ça lui rajoute un peu de profondeur, quoi. Voilà l'histoire. Et en fait, juste après, c'est là que l'autre mouvement s'est évanoui. Voilà, c'est un bon, les gars. La fille. Il ne peut pas y arriver. Non, rien. Bref. J'étais paumé de chez paumé. Je savais pas du tout quel chemin prendre pour rentrer. Merci, Bellamy. Là, il est intéressant, le perso, les gars. C'est pas juste une brute épaisse. Oh là là, mais c'est Bellamy. Alors, c'est fait, cet assassinat? Vu ta tête, toujours pas, j'imagine. Toi, qu'est-ce que tu veux, hein, Dellinger? Disons que, te connaissant, je me suis dit que tu allais tout rater. Ah, mais c'est le petit gamin. Apparemment, j'ai vu juste. Il a l'air complètement frappé. Tu me cherches? Après tout, c'est pas n'importe qui. Je savais bien que t'avais aucune chance. Mais tu sais, que tu parviennes à tes fins ou non, au bout du compte, ça ne changera pas grand-chose, mon pauvre. Alors qu'est-ce par contre, tu... être dans la Doggy Shot Family aussi jeune, le mec doit être chaud. Je veux dire... Que la mission pour aller assassiner le chapeau de paille, c'était pour rire. Le chef en avait marre de t'avoir tout le temps dans ses pattes. Quant à moi, je suis venu te régler ton compte. Oula. Ordre du jeune maître. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, Bellamy, ça va lui mettre oh à l'envers. Oh la boulette, j'étais pas censée te le dire. Oups, désolé. Juste spoil, en fait. C'est pas vrai, c'est une blague. Non, je t'assure. Bien, assez parlé. Oh ouais, putain, il est chaud. Saucisse de bain. Fais-moi plaisir et meurs vite. Pauvre Bellamy. Oh oui. Oh, les problèmes. Oui. Oh, ça commence direct. Ah là, je le kiffe, hein. Mon petit. Tu n'étais pas censé me tuer. Boum. Tact. J'aime trop cette technique. Ah, il est chaud. Il est chaud au flop. Scalpel. Il y a un petit niveau quand même, hein. Ah, le petit room qui fait plaisir. Le pauvre chéri. On commence à peine et tu es déjà sur les rotules. Tu ne m'échapperas pas. Morveux. En fait, il est trop à l'aise de flop, les gars. Room. Arrête pas de spammer. Oula. Shambles. C'est quoi ça encore? Hey, intéressant, hein. La petite pente. Ah, le fameux fruit du bistouri. Quel pouvoir redoutable, effrayant même. Malheureusement, aussi puissant soit-il, il a ses limites. Tu as subi les météores de Fujitora. Un premier combat contre moi, plus le sauvetage de la jambe noire. Tu vas pas tenir très longtemps. Il a plus d'énergie, en fait. Ah, il va pas y arriver, les gars. Fil balistique. En V1, il y arrivera pas. Oh, bon, oh, voilà. C'est mort pour lui, hein. Il a trop été sollicité, le petit loup. Il a plus de jus. Il doit forcer pour faire son room. Alors décide-toi, loup. Je t'attends. Aesrosa est tout prêt. Allez, loup. Allez, qu'il s'échappe au moins. Je veux pas le battre. Un peu de suspense. Réponds, frère. Réponds, on raccroche, je sais pas, fais quelque chose. Quoi, suspense? Allô, Dofi? Qui y a-t-il, Diamanté? Ah ouais, d'accord. Oh, l'humiliation. Oh, excuse-moi, tu dois être occupé. Non, penses-tu? Vas-y, je t'écoute. En vrai, Doflop, les gars, il a grave un flow de zinzin. Le seul problème, hein, vraiment, c'est cuisse. Hein. C'est ses guibolles, la toute fine, remplie de poils. Cette petite intrigante de violette. C'est des petits pics. Nous a trahis. Tiens donc. Je me disais bien que quelque chose ne tournait pas rond depuis que la jambe noire avait débarqué. Nous comptions sur son fruit du regard pour nous révéler les plans des chapeaux de
campagne. Mais elle ne nous aura pas servi à grand-chose. Oh, quelle fruchité, hein, quand même. Ne t'inquiète pas pour ça. Écoute-moi, Mikoto. Tu vas envoyer Laouji et les autres se poster devant la fabrique de Smile. Ah, ça me semble difficile. Ils doivent participer à la finale du tournoi. Tu sais ce que c'est? Il faut bien divertir les foules. Toi tout seul, ce serait déjà du grand spectacle. Arrête, tu me parles comme si j'étais le meilleur guerrier au monde. T'es un génie. Mais quelle ville flamme. Ah ben, ça va, les goûts. Tu vas me faire rougir. T'es de loin le meilleur d'entre nous. Bon, puisque tu insistes, j'y vais de ce pas. Tu me le paieras, Doflamingo. J'ai compris ton petit jeu, Lou. Tu voulais faire diversion et me retenir ici pendant que tes petits copains devaient détruire la fabrique, n'est-ce pas? Et une fois la fabrique rasée, tu pouvais mourir l'âme en paix. Car si je ne disposais plus de mes smiles, Kaido m'aurait sans doute éliminé. Avoue, c'était bien ça que t'avais en tête. Ah mais vraiment chaîne alimentaire quoi, il se chie dessus face à Kaido les gars. Bien tenté, sauf que tu n'avais pas prévu que je te ferais perdre autant de temps. Résultat, les chapeaux de paille sont aux abois. C'est vraiment deux génies qui s'affrontent, hein. Tu t'es servi d'eux, mais tu devais avoir sacrément confiance en leur loyauté pour monter un plan de cette envergure. Il a du flow de fou, je crois que tu t'es trompé. Pourquoi une telle erreur? Je compte sur le dé pour déclencher une tempête sans précédent. Parle de Luffy? Ah ouais d'accord. Ah, l'animation elle a bien changé les gars. Ça va faire mal. Bouge le haut. Ah, 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 j'espère qu'il l'a pas trop éraflé hein. Ouais, il parle de Luffy, les gars. Ça parle d'Udi. Bon, on revient sur cette volonté d'Udi, tu vois. Tu voulais me voir, Zoro? Eh ben, parce que j'ai deux mots à te dire, figure-toi. Il y a un tournoi et tu m'invites même pas. Ouais, désolé. Monsieur prend du bon temps pendant que nous, on court dans toute la ville. Attendez, recentrons le sujet. Nous ne sommes pas venus pour cela. Si au moins t'étais efficace. Depuis quand tu laisses un vieux grabataire te botter les fesses? Il a rien botté du tout. Je le savais. C'est bien le type qu'on cherche. Les pauvres gars de la marine. Vice-amiral Bastille! Aucun doute. Ça va être le chaos. Est bien le chasseur de pirates et son complice retranché dans le Colisée est de toute évidence Luffy au chapeau de paille. Le vainqueur du bloc C, alias Lucy. Pas étonnant qu'il soit ici à ce niveau. Le rapport de Smoker disait vrai, ce pirate traînait bel et bien dans la région. Dans ce cas, doit-on le capturer? Non. Laissons le poisson nager encore un peu. On sait que dans le Colisée se trouvent de gros bonnets de la piraterie du Nouveau Monde, la crème des chasseurs de primes et tout un tas de mercenaires. Ah, ils vont vouloir choper tout le monde d'un coup. Capturer le chapeau de paille maintenant aurait pour conséquence de les alerter et ils se carapateraient tous comme des rats. Ils seraient la voix d'Akainu. Ils sont d'attendre la fin des festivités pour leur tomber dessus et coffrer tout ce petit monde. Comme si ça les refusait à faire quelque chose, les gars. Mieux vaut se montrer patient et réaliser un joli coup de filet. Alors, voyons voir. Parmi les perdants, il y a Don Chinjao du bloc C. Ensuite. Saibu et Abdullah. La plupart des noms sur la liste ne me disent rien du tout. Ah ouais, ils les ont oubliés vu que c'est des jouets. Ils sont censés être connus, ces pirates? Hein? Cette question, bien sûr qu'ils sont connus. Ces types sans foi ni loi font régner la terreur dans le Nouveau Monde. Attends, ils sont... Ça se souvient? T'as dit qui déjà? Ah ouais, voilà, ok, j'ai eu peur parce que je me suis dit pendant un instant, le gars, il a réussi à counter le pouvoir. Attendez. Saibu et Abdullah. Saibu? Abdullah. Connais pas. Après, c'est bien pour l'anonymat, hein, le... Non, bah non. Jamais entendu parler de ces énergies. C'est bien pour l'anonymat, ce pouvoir. Hein? Jouer. D'ailleurs, on est venu pour arrêter qui, déjà? Ils ont tout oublié, en fait. J'ose espérer que cela vous convient. Hein? De quoi tu parles? Messire Sanji a demandé qu'on le contacte une fois Messire Luffy trouvé. Ah, d'accord. Hé, hey, à ce propos, Luffy, hein? Sache que le Colisée est encerclé par la marine. C'est sérieux, ne prenez point cela à la légère. Il s'en fout. Sanji, l'escargophone est en train de sonner. Ça doit être Kinemon. Laissez-moi prendre l'appel, s'il vous plaît. Ah, mon Sky. Ici le Sunny, j'écoute. Salut Sanji, c'est moi. Salut Luffy. Chopper, prends l'autre escargophone et appelle Usopp, s'il te plaît. Ok. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, allô, Usopp à l'appareil. Cool, il a décroché. C'est parfait, à part l'eau, on a réussi à joindre tout l'équipage. Allô, ici le Sunny, c'est Sanji. Je suis avec Nami, Chopper, Brook et Momonosuke. Sans oublier César Clown. Dites-nous où vous en êtes de votre côté. Allô, équipage du Sunny. Ici, c'est le bordel, non? Je suis au Colisée en compagnie de Messire Luffy et Zoro. Ok. Comment ça se passe pour vous, Usopp? Ici Usopp. Aïe! Oui, c'est Franky au bigophone. Usopp et Robin sont avec moi. Faut pas te gêner! Ouvrez bien vos esgourdes. C'est très important.
On est au QG de l'organisation anti-doflamingo en compagnie de l'armée de Riku. L'armée de quoi? Une armée de nains. Oh, des nains? Et au Solande, vous faites quoi dans votre coin? Ils ont tellement tous une pente différente. C'est top secret. Compris, chef. On vous laisse tranquille. Eh, Usopp, c'est vraiment le goût, là. Luffy. Un bon menteur. Tu te souviens au Colisée? Avec Croisière, un drôle de soldat unijambiste, pas vrai? Ouais. Mais attends, comment ça, des nains? Bon, bref, en fait, ce soldat, il s'avère que c'est le chef de cette armée. Le chef de l'armée des nains? Et toutes les troupes assemblées ici se sont mises d'accord pour que le soulèvement général ait lieu aujourd'hui. C'est la révolution! Soldat, il a l'intention de se sacrifier pour détruire ce royaume diabolique! Ah, mais oui, le jouet soldat unijambiste! Mmh. C'est lui que Rebecca voulait arrêter par tous les moyens. Franky, trouve un truc pour les empêcher d'agir! Mais non! C'est justement le contraire, faut les aider, ces petits gars! Dis, t'as parlé à cette Rebecca? Ouais, elle est super chouette, cette fille. Elle m'a payé 3 casse-croûtes alors qu'elle est fauchée. Et la pauvre, quand elle est entrée dans l'arène, elle se fait huer par la foule. C'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. Ça va l'énerver, hein. Écoute, la fille, franchement, le plan de trifouiller, ça me dit rien du tout. Hein? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit l'éternel, tranquille. Pour résumer, ce qu'il voulait, lui, c'était ça. Qu'on réduise en pièces la fabrique de Smile et qu'on garde Doflamingo en vie pour mieux se débarrasser de Kaido. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette armée de petits bons hommes qui veut renverser ce tyran de Doflamingo? C'est toujours... De toute façon, là-dessus, c'est... À chaque fois que les Boogies arrivent quelque part, ça peut pas juste se passer comme prévu. Ils sont toujours obligés d'aller plus loin, en fait. D'aller plus loin. Genre d'impacter la société, d'impacter la ville où ils arrivent, tu vois, pour Alabasta, ils l'avaient fait. Ils avaient changé littéralement l'histoire du pays. Ils vont le faire aussi pour Dressrosa. Tu peux me le dire? Ils peuvent pas fermer les yeux, en fait. Si longtemps, on peut pas les arrêter. C'est comme Punk Hazard, les gars. Ils ont un visage heureux en surface, mais crois-moi, ça cache de gros problèmes. Punk Hazard avec les gosses, c'est la même chose. Les petits, ils veulent jeter la lumière sur ces ténèbres. Et pour ça, ils sont prêts à y laisser leur peau. Par contre, Franky, incroyable. Ils sont peut-être minus, mais ils ont du courage à revendre. Face à un ennemi aussi terrible soit-il, ils ne reculeront pas d'un pouce. Prends. Je ne peux pas les abandonner. Et laisser se faire tuer sans rien faire. Mais magnifique, Franky, hein. C'est aussi dans notre intérêt. Si Doflamingo s'en sort, on ne sera pas plus avancé. Il a quand même contesté les ordres de Luffy. Enfin, il a repris Luffy, quoi. Même si tu m'ordonnais formellement d'y renoncer. Il nous fait une Usopp. J'irai quand même, je le ferai. Eh ben, mon vieux. Il nous fait une Usopp, les gars. Monsieur soldat va mourir. Te retiens pas, vas-y, fonce. Voilà. On te rejoint dès qu'on peut. Voilà. Mais il a quand même porté ses robots couilles, les gars. Et voilà, il a dit les termes. Ok. Incroyable, Franky. Bon, c'est parti pour un demi-tour. Je savais que ça finirait comme ça. Changement de plan. Ah non, putain. Oh, Fujitora, arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi cette explosion? Arrête d'envoyer des météorites. Amiral, c'est le chaos en ville. Alors, dépêchons-nous. Ah, Fuji, il fait trop peur. C'était quoi ça? Il y a un de ces boucans de votre... C'est pas Fuji, les gars, c'est pas Fuji. C'est le flanc. Vous pouvez mettre les plombs? Enfin, que diable se passe-t-il ici? Bah, mais ça se rapproche. C'est l'eau, non? C'est quoi, là? Je vois plus rien. Quelque chose est tombé. C'est quoi, ce truc? Regardez, vice-amiral! Allez, traînons pas. Je crois que l'eau, il s'est fait massacrer, hein. Je crois qu'il est mort, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'il nous fait d'Ofla là? Dès que ça a parlé du dé, les gars, il est devenu hyper nerveux et incontrôlable. J'ai l'impression que là, qu'il est en train de passer dans une autre dimension là, le mec, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, mec, il s'est fait déchiqueter. Flamingo, Trifouillis! Il s'est fait déchiqueter. Sale morveux. Oula! Hé, hey, Trifouillis! Qu'est-ce qu'il fait là, donc Flamingo? Vous étiez pas censé. Quoi? Mais non! Oh le chien! Même pas de blabla, frère! Tu commençais à te la jouer un peu trop. Wesh! Aidez-le! What the fuck? Oh non! Non! Oh le salopard! Putain! Korra! What? What? Oh mais les gars, je me sens pas bien là! Trifouillis, wesh! Il l'a battu comme ça, il nous a fait une belle mère, les gars! Il a vidé son chat, qu'est-ce qui se passe là? Là qu'il est en train de partir en couille, hein! Mais dans le bon sens du terme, hein! Après, il s'est fait déchiqueter, les gars. Il a voulu tenter en 1v1, mais mec, dès qu'il a parlé de la volonté du dit, le Flamingo, les gars, il a totalement changé de tempérament. Mec, il a arrêté d'avoir son grand sourire. Il a été hyper sérieux. Mec, il l'a battu de 3 balles au sol, frère. Et bon, par contre, bon, j'espère qu'il est pas mort. Les gars, connaissant Oda, je pense qu'il va être blessé, trauma crânien. En fait, à partir du moment où Pell
peine sur Alabasta s'est pris une bombe nuque dans la bouche et qu'il n'est pas mort, voilà, je me dis que le gars fait quand même un tri sélectif pour Ace. Bon, pour Ace, c'était un peu un saligo, mais je pense que pour lui, ça devrait aller. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Mais incroyable, hein, frère, l'épisode. Hein. Réponds-moi, Luffy! Luffy, encore une débâcle, hein, il est derrière les barreaux. Pourquoi il a pété les plombs comme ça, de flop? Navré que vous ayez à subir toute cette pagaille. Vous avez devant vous le pirate Trafalgar Law, également grand corsaire. C'est lui qui a répandu la fausse nouvelle de ce matin concernant mon abdication. Ah non, mais il est mort, je crois, les gars. Hein. Il a osé faire ça? Elle l'a déchiqueté, frère. Il renonce à son titre de grand corsaire? Mais comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? C'est la fin du royaume de Dressrosa. Roi de Flamingo! Votre Majesté, pourquoi voulez-vous abandonner votre trône? Que se passe-t-il, Votre Majesté? Répondez! Tu fais déchiqueter. Cet homme a tout simplement essayé de me faire tomber. What? Mais comme vous voyez, je me suis occupé de son cas. Je comprends maintenant, c'était pour ça! À cause de ses mensonges, toute la ville de Dressrosa a bien failli sombrer. Oh, quel soulagement! Ah, le pauvre! On peut faire quelque chose, Luffy, hein? Hé, hey, dis donc, Mingo! Après, il y a Zoro de l'autre côté, hein. Quel droit tu as fait ça à Trifouillé? En plus, il y avait une alliance et tout, hein. Ah bon, après, alors, Law, il voulait rompre l'alliance. Enfin, voilà, il avait un peu, entre guillemets, rompu l'alliance, mais bon. Écoute, chapeau de paille. Ah, mec, tu n'as pas déchiqueté, ton mot, hein, à dire. Cette histoire ne concerne que lui et moi. Initialement, Law était un de mes sorts. Il méritait que je lui donne une leçon. Voilà, go! Ok, je m'en charge! Fumez-le! Le chasseur de pirates, il passe à l'action! En vrai, je sais pas, faut s'en occuper, je pense, hein! Allez-y, une petite seconde. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous répondre, oui ou non? C'est Messire Law! Il a été abattu sous nos yeux! Par Don Flamingo! Oh non! Il a pris cher, hein! Oh la vache, t'as entendu? Non, mais l'épisode, il était incroyable avant! Pirates! Et Kinemon, le renard à la flamme. Il me semble avoir aperçu un morveux sur le navire. Il ressemblait à Momonosuke. Surtout, t'inquiète pas, on le laissera pas s'approcher de lui. Il ne manquerait plus que cela. Il va les one shot, frère. Allez, je remonte d'entraînement. Ah ouais, Fuji. Non, mais là, par contre, c'est la mouise, hein. C'est la mousse totale. Donc Zoro, il l'avait croisé, hein. Bah ouais. Oh putain, on peut potentiellement avoir Zoro contre Fuji, les mecs. Mes excuses. Oh, le prime du contenu. Oh, le Prime. Après, le mec, il crée des cratères et il envoie des météorites. T'es vraiment super fort. Comment tu t'appelles? Je veux savoir comment je m'appelle. Mais dans ton intérêt et dans le mien, mieux vaut que je ne te révèle pas mon identité. Tellement chaud, le Fuji. Ah ouais, tu sens la pression spirituelle? Pression énorme. Et d'où lui vient son incroyable puissance? Non, mais c'est nimp, je sais pas d'où ça sort. Hein. D'avoir un mental. De l'incident! Ouais, c'est Sabondi ou quoi? Messire Zoro! Quoi, Zoro? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est incompréhensible! Il a disparu! Il va faire dans une grotte? Ah ouais, c'est Sabondi, les gars! Kinemon! Attends, j'arrive! Hé, Kinemon! Est-ce que tout va bien? Il peut rien faire! C'est pas vrai! Ne me dis pas que toi aussi! Oh, le massacre! C'est quoi ça? Il n'y va pas de main morte. Il faut mettre la population à l'abri, éloigner tout le monde le plus possible. Oh putain, mais les gars, on peut vraiment avoir Zoro contre Fuji. Hein. Il se bat. Attends, le retour dans Zoro Prime, les gars. Qui aurait... Son dernier vrai combat, c'était... Trailer Bark, contre Kuma. Cru que notre flambeur aveugle n'était autre qu'un amiral de la marine. Un amiral? Il est tellement choupi, Fuji. C'est un amiral. Oh, Kinemon, je peux t'entendre. Dieu merci, ça veut dire que tu es sain. Quand on s'est croisés un peu plus tôt, vous avez tous été très gentils avec moi, mais malheureusement, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous payer en retour. C'est un étrange coup du sort, mais la vie est ainsi faite. Cela est stupéfiant. L'homme qui combat aux côtés de Do Flamingo serait en fait un amiral de la marine. Quoi? Ah, par contre, c'est chaud, les gars, hein, parce que Doflop est déjà très très fort. Se trouve à Dressrosa. Que la marine s'est alliée à Doflamingo. Et si c'est le cas, impossible d'évaluer les forces ennemies. Mais là, l'armée de petits soldats suffira pas. Hein. Parce que Fuji en une météorite, c'est fini. Robin, un amiral, c'est déjà un trop pour nous. Après, vous êtes entraînés 2 ans. Hein. Oh putain, le pauvre Law. Ah, mais les gars, c'est une carcasse. Hein. C'est une carcasse. Attends, il lui dit quoi? Il lui a dit quoi? Hein?
Qu'est-ce que vous faites avec mes sirlots? Oh non, un cornichon. Et en plus, ils savent voler. Si vous m'entendez, mes sirlots, je vous en prie, dites qu'est-ce quelque qu'il chose faut. Allons terminer notre petite discussion au palais, Fujitora. Si tu acceptes de collaborer avec moi, tu pourras faire ce que tu veux avec les morveux. J'accepte d'écouter ta proposition. What the je fuck ferai part de ma décision aussitôt après, démon céleste. Vous partirez pas d'ici! La population est en sécurité! Hein? Ah, capturez Roronoa Zoro! C'est chaud, les gars. On dirait qu'on est démasqué. Oui, ça m'en a couler. On tire d'ici, vite! Par en steak l'arc, les gars. Mais qu'est-ce qu'il veut faire d'Ofla avec Fuji? Ah, l'eau, il s'est fait massacrer, les gars. C'est moi, Artinimon. Doflamingo est en train d'enlever mes sirlots. Là, j'aime trop la tournure qui est en train de prendre l'arc, les mecs. Hein. Il y a le tournoi en même temps. Enfin, c'est en train de s'accélérer de fou, là, en fait. Écoute, la fille, faut absolument que tu sortes de là. On fera le tour jusqu'à ce que tu trouves une sortie, ok? Oui, on n'a pas une minute à perdre. Trifouillé, t'en vis, je l'ai entendu tout à l'heure. Il va quitter le tournoi, du coup. Pas mort. C'est Brooke et tu... Ah, il a dit qu'il était pas mort, les gars. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Sony? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pour nous! Non, mais il y a tout qui part en steak. Eh mince, ils nous ont repérés. Oh mon dieu, au secours! Un gâteau? Baby Mom! Mais non! Oh, le chaos! Oh, le bordel que c'est en train de devenir, Dressrosa! Oh putain, si y a un empereur qui se ramène, oh le bordel! Oh mon dieu! Wesh, mais c'est Marineford en fait! C'est un mini Marineford, Dressrosa! Genre, t'as un empereur, t'as un amiral, et t'as deux flops quoi! Oh non, mais là j'aime trop la tournure de l'arc, hein! Oh les problèmes! Y'a rien qui va! Que des enchaînements de merdouilles! Ah bah la courée, hein! Petit navire. Donc elle est en conflit avec Luffy. Mais qu'est-ce que le navire d'un empereur vient faire ici? Vous avez vu, la figure de Prue sort. Petit navire. C'est horrible. Oh les problèmes. Non, vraiment? Le bateau de Big Mom est ici? Non mais là, les gars, s'il y a Big Mom à gérer, Doflop à gérer, les usines à Smile à gérer, récupérer Trafalgar Law, non, mec, il y a 100 000 quêtes en même temps, en plus le fruit de Ace. Mais, vous savez si Big Mom est à bord? La fille, vas-y, cours, on peut parler en même temps. T'as raison. Ça, j'en sais rien, par contre, les hommes qu'on a vus sur l'île des hommes poissons s'y trouvent. Mama, César localisé sur le radio. Ah effectivement, avec il est son équipage avec bizarre. On va couler leur petit navire et repêcher César, ce sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Big Mom, oh là là, Luffy, je t'avais prévenu. Elle nous en veut parce que tu t'es embrouillé avec elle. C'est César qui les intéresse. César, mais pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est le seul gars qui est capable de faire des fruits artificiels, donc bon, c'est peut-être... ils veulent l'enlever pour faire la même chose pour elle, en fait. Parce que regardez, Kaido est déjà en train de faire une armée, soi-disant, avec des... comme ça, avec des Zoan artificiels. Bah pourquoi elle le ferait pas elle aussi de son côté en fait? César, alors, c'est un mec important. La côte, hein, le savant fou. C'est un peu ils le mercato à choper. Sauver, c'est ça. Parce que c'est ça, ça veut l'utiliser. Hein. Je vous en supplie, aidez-moi. Quoi? Oula, peut-être que je me suis trompé. J'ai absolument empêché Big Mom de me capturer. Je l'ai un peu roulé dans la farine et détourné l'argent qu'elle m'a donné pour la recherche. Ah bah voilà. Oh tiens. Ok, bon bah c'est autre chose. Laisse tomber. Si jamais je tombe entre ses mains, elle découvrira que je lui ai menti, ce qui signera mon arrêt de mort. Purée, franchement, qu'est-ce que ça peut me fiche? C'est vraiment pas gentil de me dire ça. Tu n'as aucune pitié. De toute façon, on n'a pas intérêt à te laisser filer, alors arrête de couiner, compris? Et regardez ce qu'ils sont en train de faire! Non mais ils en ont rien à faire. Ils vont nous tirer comme des lapins. Mais il est énorme ton bateau, hein. Vous prenez la barre. D'accord, je m'y colle. Après, on peut lâcher mon Monosuke, hein. Tu renvoies, t'as un Big Mom qui se ramène, non, c'est n'importe quoi. Hein. Il ne pouvait pas tomber plus mal. L'eau qui se fait massacrer, le Big Mom c'est se ramène. Dressrosa peut nous tirer de là, Brooke? Comment te dire, je ne suis pas sûr de grand-chose, mais je prie le ciel de toutes mes forces pour nous tirer de là, tu peux me croire? C'est parce qu'il est pas en maîtrise, hein. Ils savent pas viser, hein. Ils savent pas viser, c'est une catastrophe. Oui, je
s'accroche. Ah mon Moloskik, oh, regardez ce petit cochon quand même. Regardez ses petites joues. Lui, il en a rien à faire de se faire attaquer par un empereur. Et tu peux même ramener Ener, hein, voilà, le retour d'Ener, les gars. Il nous envoie son meilleur Shidori, son meilleur Kirin du haut du ciel, frère. T'inquiète pas que lui, c'est le dernier de ses soucis, tu vois. Il est tellement en forme, il est tellement à l'aise, il est tellement bien dans les petits flux du démon de Nami, là. Pour rien de monde, il ne bougera. Hein. Sanji, les gars, ça va? Et au fait, ne vous amusez surtout pas à ramener l'empereur par ici, compris? Sinon tout le royaume sera en panique et le projet du soldat et de son armée risque de capoter. Bah comment tu veux gérer ça? Au fait, comment ça se fait que César soit sur le Sunny? La livraison de César a dû échouer. Sinon Trifouille serait avec nous sain et sauf. Plus vite, les gars. Est-ce que Luffy va continuer à participer au tournoi? T'as demandé de récupérer César. Après le Fried Ace. C'est pour ça qu'on y est allé. Écoute, Sanji. Je crois vraiment pas que ce soit une bonne idée de retourner à Dressrosa. Quoi? Je sais que tu veux rejoindre Luffy et aller récupérer Trifouille et aussi donner un coup de main à l'armée des nains. Je dis pas ça parce que j'ai peur d'y retourner, tu le sais. Écoute-moi, Luffy. Pour plumer Doflamingo, il faut posséder ces trois atouts. La fabrique de Smile et Momonosuke, même si on sait pas pourquoi. C'est vrai que Momonosuke, c'est un peu bizarre quand même. Pour l'instant, on n'a pas encore détruit la fabrique de Smile. Elle est toujours entre ses mains. Par contre, les deux autres atouts se trouvent bien en notre possession. Ce Momonosuke s'est juste pris une balle perdue, non? Je crois que Trifouille s'est sacrifié et qu'il a joué les appâts pour empêcher Doflamingo de s'approcher d'eux. Son but était sûrement de gagner du temps pour qu'on puisse détruire la fabrique. Bah oui, t'es bien content, cochon. Il a fait énormément d'efforts pour protéger nos atouts. Si on fait demi-tour maintenant, on risquerait de les perdre au profit de l'ennemi. Et tous les efforts de Trifouille auront été inutiles. Le pauvre loup, il s'est fait déchiqueter, les gars. On sauvera Trifouille. Je vous en fais la promesse. Donc, opération sauvetage. C'est quoi la prochaine île, Kinemon? Elle s'appelle Zo. Comme Ace, les gars. Chopper, Brook et Momo. Tout le monde va se spiquer. Je veux que vous ayez tous les cinq. Si c'est un ordre du capitaine, alors il n'y a pas à discuter. Aïe, 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 aïe. J'ai une faveur à te demander. Laquelle? Ah mais tout le monde demande, hein. Eh bien, que tu me donnes la permission de riposter aux attaques de Big Mom. Ah, bah attends, c'est un malade. Putain, tu veux que ça s'envolume encore plus? Accordée. Oh, le chaos. Tu plaisantes? Oh, le chaos. C'est pas faux. Mais c'est très dangereux. Oh non, tout n'est pas ça. Bon, mais alors, les gars, on se verra sur l'île de Zo. Ouais. Et nous, on se charge de faire sauter cette fabrique de malheur. Chacun a sa mission. Opération faut sauver l'eau, opération anti-Big Mom, opération anti-fabrique. Surtout, faites bien attention à vous. Bien reçu, chef. Ouais, à tes ordres. T'as le pauvre l'eau. Trifouille. Mais ça va se passer comment, ton nom? Rebecca. Princesse Violette. Tout est entre ses sales pattes. Incroyable, vraiment incroyable, l'arc, les mecs. Hein. On fonce au palais. Et une fois là-bas, je vais faire sa fête à Doflamingo. Aïe, 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 bah frérot, on va falloir y aller, hein, parce qu'il est vraiment extrêmement fort, hein, pour que Louis se fasse déchiqueter comme ça. Non mais là, les mecs, on a un grand arc, hein. Là, on a un moment de rupture, là. Là, c'est, on arrive dans un bon poulet, quoi. Par contre, le tournoi, donc ça veut dire que Luffy ne participe plus au tournoi. Comment ça va se passer? Bonjour. Hola Chico. Bon, un nouveau perso les gars. Bah, généralement quand il y a des gros plans comme ça, tu sens que le personnage va avoir son importance. Hein. Ok. Bah écoutez les mecs, incroyable. Franchement, les trois épisodes de ce soir là, enfin d'aujourd'hui, étaient exceptionnels. Le flashback sur la prise de Dressrosa par Doflamingo, incroyable. Genre là vraiment, pour moi, on a un bon antagoniste quoi. On a un très très bon antagoniste. Il y a de la mise en place. La manipulation, il y a beaucoup de secrets, tu vois, genre il y a beaucoup d'enjeux. Big Mom qui se ramène, l'eau qui se fait déchiqueter par Doflamingo. Ouais, j'ai l'impression que l'arc s'est vraiment lancé, tu vois. Genre là, boum, on est dedans. On a mis en forme pas mal de choses. On a vu le fonctionnement de l'île, la politique de l'île, le système avec les jouets. On a vu aussi Green Beat avec les petits gnomes à droite à gauche, comment ça se passait. On a vu les représailles autour de la famille de Don Quichotte. Voilà,
Entre guillemets, tous les pions sont mis en place. Maintenant, il y a juste à dérouler. Il y a Fujitora aussi qui a l'air extrêmement chaud, les gars. Vraiment, Fujitora, c'est effrayant, ce mec. Hein. On voyait des météorites. En plus, le gars est aveugle. Enfin, il maîtrise son truc, laisse tomber, quoi. N'importe quoi. Donc, bon, voilà, il y a beaucoup de problèmes, mais ouais, il y a tout pour faire un arc exceptionnel, en fait. Vraiment, il y a tout pour avoir un arc poulet, là. Genre, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Bah, en tout cas, le mot de passe, ce sera Riplo. Voilà, tout ça, Riplo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification, les gars. Et faites-vous plaisir sur l'espace commentaire, faites-vous plaisir avec les likes, les gars. Je ne dis pas combien de likes il faut atteindre, mais en fonction du nombre de likes que vous allez lâcher, les gars, je peux vous lâcher des plus gros reacts. Donc n'hésitez pas à spammer. Va chercher ton voisin, ta voisine, ton papa, ton hamster, ton petit chien. Et tu fais le boulot, mon petit cochon. Allez, pour l'instant, c'était moi qui te fais le plus gros pirate de cette génération, les gars. A bientôt sur YouTube. Ciao.